Le kiosque, c'est un lieu qui a une histoire, c'est un lieu de rassemblement, c'est un lieu de vie. Et tout ça, ça disparaît avec ce que j'appelle la pierre tombale, la tombe du kiosque. Nous nous retrouvons en ce mois de novembre en mémoire du kiosque à journaux de la place Cafo. Un kiosque à journaux, mais aujourd'hui on lit tout sur internet, sur nos téléphones, tu m'étonnes qu'il est fermé. Il était un symbole de la place et a été détruit sans aucun avertissement. Un matin je viens acheter mon journal, mais comme le matin, la Marseillaise, pour rien vous cacher. J'arrive et là, bam, rien, plus rien. Bon, depuis, c'est resté comme ça. Vide. Rien. Nous, on a voulu le racheter, ce kiosque. On voulait rester sur les journaux, vu qu'il n'y en a plus, justement, dans le quartier. Mais le maire a refusé, parce que ça appartient à la mairie, ici. Mais bon, pas journaux, en tout cas, faut faire quelque chose avec ce kiosque. Il y a un collectif de personnes qui se mobilisent pour redonner un peu de la vie à la place. Et ils sont très motivés, ils sont pleins d'initiatives. Et l'idée, voilà, c'est de remplacer le kiosque, de donner de la vie, de se rassembler et d'être ensemble.